Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 19 mai 2021, direction l'hippodrome de Caen pour le prix des Ducs de Normandie, première course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 4 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Ce magnifique rendez-vous portera le label Groupe 2 et offrira une dotation totale de 130 000 euros tout de même. Sur le parcours des 2450 mètres de la piste à main droite, nous devrions assister à une course rythmée avec la présence de chevaux de top niveau. Une fois encore, tenter des choses concernant l'ordre d'arrivée pourrait être la clé du succès. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 10, Étonnant. Ce crack entraîné par Richard Westering et s'entendant parfaitement avec Anthony Barrier n'a aucun problème avec la corde à droite, bien au contraire. S'il part bien et prend la tête, il sera redoutable dans ce groupe 2. En deuxième choix, le numéro 11, Dorgos de Guèze. Il nous doit une revanche puisqu'il était grandissime favori lors de sa dernière tentative à Vincennes où il n'a pu faire mieux que 5e. Avec JMB une nouvelle fois et déféré des 4 pieds, il va remettre les pendules à l'heure. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Davidson Dupont. Nicolas Bazire, son nouveau pilote, vient de vivre un grand moment d'émotion en s'imposant sur l'hippodrome de Vincennes avec lui. Aujourd'hui, en tant que plus riche de l'épreuve, il doit confirmer. En quatrième position, viendra le numéro 6, Chebello Romain. Il vient de remporter le grand critérium de vitesse de Basse-Normandie, et ce, avec la manière. En grande forme et restant sur 4 victoires, il espère quintupler la mise. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Bugsy Malone. Philippe Allaire est l'un des entraîneurs français les plus adroits. Avec Franck Nivard aux commandes et d'une belle régularité sur la piste de Caen, il peut une nouvelle fois faire le show. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Valokaya Indo. Jean-Michel Bazire fait plaisir à Romain Congard en le déférant des 4 pieds lors de ce groupe 2 où il a son mot à dire pour l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 3, Elvis Duvalon. Il vient de très bien gagner sur l'hippodrome de Bordeaux et ce, en traçant une nouvelle fois une très belle fin de course. David Thomas l'ayant bien en main, il peut une nouvelle fois confirmer. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Chica de Joude. Alain Laurent l'aime bien et la trouve en belle forme le matin, ce qui laisse augurer une belle tentative aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 7, Beau Gamin, qui a changé d'environnement il y a peu et qui vient de renouer brillamment avec le succès, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiers écarté Quintet Plus dans le désordre, les deux derniers affichant un rapport de 213 et 594 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois.